C'est week-end, il y a du soleil, youpi. Bon, il chauffe pas, hein, mais ça fait déjà. On voit un petit ciel bleu avec du soleil, ça fait du bien. Comme vous avez vu dans le titre, unboxing, mais complètement différent que de d'habitude. Oh, j'ai une tête. Oh là là, c'est fin de semaine, hein. Complètement différent de d'habitude et je vous ai jamais fait de unboxing comme c'est celui que je vais vous faire aujourd'hui. Unboxing Fil d'Art. Alors, ceux qui ne connaissent pas Fil d'Art, c'est une boutique qui vend de la laine. Hein, voilà, donc tricot. Donc, ceux qui n'aiment pas le tricot, je... Oups, ça y est, je les vois tous se barrer. Alors pourquoi je fais cet unboxing? Ben, je vous montre juste vous montrer ben, ce que j'ai fait. C'est pas un partenariat, c'est mes petits achats à moi, avec mes petits sous à moi. Parce que je n'ai plus de pull. Vous pouvez le voir de toute façon quand je fais les vidéos. Hein, mes pulls sont pourraves. ils sont foutus, mais usés jusqu'à la corde. Donc je n'ai plus de pull. Vous me direz, je peux en aller en acheter au magasin. Hein. Mais là, je voulais m'en faire un. À la base, je voulais me faire une veste, mais avant, je vais d'abord me faire le pull. C'est plus urgent que la veste. Bon, je tricote de temps en temps. Et je tricote depuis très, très, très longtemps. Hein, mes enfants ont quel âge maintenant? Bientôt, oh oui, bientôt 40 ans. donc, je tricote depuis ce moment-là, et puis même avant, un petit peu. Mais bon, je tricote par période, quand ça me prend, voilà, quand j'ai envie. Par contre, quand je tricote et que je vois que je commence à me planter sur mon tricot, alors là, c'est mort, j'abandonne le tricot. Mais bon. Alors, je ne sais pas faire tous les points. Je sais faire les... Si, je sais faire beaucoup de points. Je sais faire les torsades, tout ça, beaucoup de points. La chose que je ne sais pas faire... Pourtant, j'ai une copine hein, de Facebook qui me l'a déjà expliqué... plusieurs fois, la seule chose que je ne sais pas faire en tricot, c'est les trous. Si, quand je sais faire les trous quand il faut pas en faire. Quand je rate une maille, par exemple. Non, mais le point où il faut faire des trous, voilà, des choses comme ça, là, je ne sais pas faire. Bon, j'ai déjà essayé, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, j'y arrive pas. Hein. Vous voyez, il y a quand même des choses que je ne sais pas faire. Bon. Donc voilà, je n'ai pas encore ouvert. Le facteur à colis vient juste d'arriver. Et encore, c'est Chouchou, il est sorti et le facteur est arrivé. Donc, c'est Chouchou qui me l'a rentré. Allez, on va couper ce paquet. Donc, normalement, avec, il y a deux catalogues pour les modèles. On va essayer de ne pas couper, hein, ce qu'il y a dedans. Voilà, finir à la main, ce sera mieux. Ah oui, c'est des grosses pelotes, d'accord. Donc, je me suis fiée sur... Pourquoi j'en ai plusieurs? Je me suis fiée sur ce qui
ce qu'il disait. Il n'y a plus. Non. Il n'y a plus. Sur ce que le site prévoyait. Alors, comme j'ai grossi, bah oui, j'ai grossi, hein, voilà, comme ça arrive, je ne connais plus vraiment ma taille. Donc, j'ai choisi avec la plus grande taille. Il y avait 46, 48 ou 50, 52. Donc, moi, j'ai fait sur 50, 52. De toute façon, s'il reste un peu de laine, c'est rien. Vaut mieux plus que pas assez, hein. Alors, j'espère que... Alors, attendez, je regarde un truc. Oui, c'est bon. Alors, pourquoi j'en ai deux? Pourquoi j'en ai mis deux? Ou bien, celui-là est bien en français. Parce que je sais qu'ils ont des catalogues qui ne sont pas en français. Ah, bah oui. Il est en français aussi. Bon. Donc, je vais regarder ça de plus près. Et ça, c'est quoi? Je souhaite faire un retour. Ah, ils expliquent pour faire un retour. On peut faire un retour partiel. Donc, je pense que c'est s'il reste des pelotes, on peut les renvoyer. Mais bon, je regarderai ça. Alors, voilà. Je vais vous montrer d'abord la laine que j'ai choisie. Alors, c'est la fil d'art, bien sûr. Et c'est la fil Mikado. Donc, voilà la couleur. Désolée, vous voyez le mot à l'envers. Je suis désolée. Mais je viens de vous le dire, hein, c'est fil Mikado de fil d'art. Voilà la couleur. Je vais enlever, sans démonter la pelote. Voilà, pour vous montrer vraiment la couleur. La couleur du modèle qui était sur le site internet, là, il n'avait plus. Mais donc, comme il y avait plusieurs couleurs, vous allez voir, je ne sais pas savoir le remettre. Hein, ça, c'est le truc. Donc, j'ai pris celle-là. C'est celle qui me plaisait le plus dans les couleurs. Il y avait un genre de bleu, il y avait du marron, il y avait... Mais bon, du coup, j'ai pris celle-là. J'ai dit, bon, c'est ce que j'aime le mieux dans le lot. Alors, c'est une laine, je vais vous dire. Alors, c'est des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 165 mètres. Voilà. Alors, pour une taille 42, donc pour un pull, il faut 6 pelotes. Et ça se tricote en aiguille ou crochet numéro 5. Donc, ça va. J'aime bien, moi, les grosses aiguilles. J'aime pas tricoter en fines aiguilles. Alors, ça me gave. Et quand vous aurez besoin de laver votre pull ou enfin, ce que vous aurez fait avec, ça se fait à 30 degrés. Mais bon, moi, je lave à froid. Tous mes lainages sont lavés à froid. Donc, là-dessus, j'ai pas de problème. Donc, voilà. Donc, j'en ai 8. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, là, c'est 8. C'est ce qu'il me propose donc, pour la taille 50-52. Alors, donc, c'est dans ce livre-là. Désolé, vous allez voir à l'envers. Le modèle est. Alors, je vais chercher le modèle pour vous le montrer. Mais je vais vous le remettre dans le... Oui, parce que là, on ne le verra pas en grand. Ah si, on va pouvoir le voir en grand. Ce sera mieux. Alors, je vais chercher la page en grand. Désolé, hein, je pouvais acheter que la fiche. Que le modèle. Mais j'ai vu qu'il y avait de jolis modèles dans ce catalogue. Donc, j'ai préféré acheter le catalogue entier. Donc, voilà le modèle du pull. Donc, super simple à faire. Donc, ça va être rapide. Et vous voyez, donc, les autres couleurs qu'il peut y avoir. Donc, voilà. Donc, ça va être un modèle assez rapide à faire. C'est ce que je voulais.
parce que là, je voulais pas un truc qui me fait prise de tête pour commencer. Par contre, je vais vous montrer un peu. Voilà. Vous voyez, bon, celui d'à côté, c'est une veste bon, qui va avec la grosse laine, donc qui va être rapide à faire aussi. Là, les pulls, idem, hein. C'est des pulls qui vont super rapide à faire. Il est facile. Donc, pour, même pour les débutants, il n'y a pas de problème. Vous voyez, même ça. Voilà. Donc, celui-là aussi, je l'aime bien. Il est joli. Même la couleur. Donc, voilà. Alors, j'avais repris un deuxième catalogue. Là, il y a, par contre, dedans, il y a des modèles débutants, pas débutants, confirmés. Alors, je vais vous le lire avant de vous le montrer, puisque vous allez l'avoir à l'envers. Je suis désolée. Donc, c'est pareil, fil d'art. C'est automne-hiver 2020-2021. Donc, c'est celui de l'année dernière. Mais bon, ça me gêne pas. Hein. Je l'ai pris, c'est pour les modèles. Alors, c'est tricoter la bonne humeur, 33 modèles inédits, de nouveaux fils et une bonne dose de couleur pour réchauffer la maille d'automne. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns. Bon, déjà, celui-là, si, je pourrais le faire, mais du coup, je le ferai sans les trous, par exemple, parce que moi, je ne sais pas faire les trous. Puisque, vous voyez, il y a des petits trous par-ci. Ah, je croyais que c'était Chouchou m'appelait, mais non, c'est sur les toutous qui voilà. Bon, là, ce gilet, c'est pareil. Il y a des trous, donc il n'est pas pour moi. C'est dommage. Mais bon, je peux un peu transformer. Hein. Voilà, vous voyez, il y a quand même des jolis modèles dedans. Je peux garder la base et en faire un truc, par exemple, uni. Alors là, celui-là, impossible pour moi. Là, celui-là, c'est vraiment impossible pour moi de le faire. Trop de trous. Mais il va falloir que j'essaye de m'y mettre. Mais je sais pas, je n'y arrive pas. Le tricot où il faut faire des trous, je n'y arrive pas. Alors, je sais pourquoi, je n'en sais rien. J'ai déjà essayé, mais il n'y a pas moyen. Voilà, là, le petit... Ça, c'est un genre de petit pull tube qu'on appelle. Là, oui, pour le débutant. Hein. Oui, ils ont mis deux pelotes seulement. Donc, voilà, le petit gilet aussi. Oui, il y a des jolis modèles hein, pour celles qui, pareil, qui ne savent pas tricoter... c'est la boucherie qui passe dans la rue, qui ne savent pas tricoter tous les points. Il y a des jolis modèles dedans. Celui-là, il est magnifique. Regardez, avec toutes les torsades. Magnifique celui-là. Celui-là, bon, j'arriverai à le faire, mais il faut de la patience. Là, c'est le pull. Alors, lui, il fait pull et gilet. Vous pouvez le mettre en pull ou en gilet, voyez. Soit que vous le mettez en pull et vous le fermez derrière, soit que vous le mettez en gilet et vous le fermez devant. C'est pas mal non plus. Il y a vraiment beaucoup de modèles. Bon, là, la petite veste, c'est pareil, toute simple. Là, bon, en haut, il y a des trous. Oui, en haut, il y a des trous. Donc, j'oublie. Ou alors, je ne fais pas les trous. Hein. Moi, je continue en jersey, puis c'est tout. Ça doit être du crochet, non? Ah non, c'est du tricot. Alors là, même pas en rêve. Même pas en rêve, je le fais. Trop de trous. Voilà, donc celui-là, vraiment plein, plein, plein. Plein de modèles faciles, pas faciles, des intermédiaires, des celui-là il est magnifique.
Alors là, il faut une patience d'ange. Il est super beau. Alors celui-là, là vous avez un petit châle, une petite étole. Pour celles qui aiment faire des étoles. Donc voilà, je ne sais plus si je vous ai montré la couverture. Vous voyez à l'envers, mais c'est celui-là. Donc, alors par contre, j'ai plus la facture sous les yeux. Donc je vais vous mettre les prix hein, sur l'écran. Voilà. Alors, je vérifie juste une dernière chose. Voilà. Je regarde un truc parce que je vais vous dire un truc. Alors, comme j'en ai eu deux, voilà, comme j'en ai eu deux, je vais vous laisser me marquer, je tricote, vous marquez dans votre message, je tricote, voilà, et je ferai un tirage au sort. Pour envoyer ce catalogue avec les modèles de tricot. Voilà, je vous l'offrirai. Donc, vous marquez « Je tricote » et je ferai un tirage au sort avec celles qui me l'ont, qui souhaitent recevoir ce catalogue. Voilà. Celles qui tricotent pas, bon, c'est pas la peine de participer parce que bon, bah, vous aurez un livre qui va vous servir à rien. Donc, bon, juste pour celles qui tricotent, qui vont vraiment s'en servir, vous marquez je tricote et je saurai que vous participez pour recevoir donc ce petit catalogue. Voilà. Donc, comme ça, je vous l'offrirai. J'espère que ça vous fait plaisir. Ah oui, je peux en garder deux, ça sert à rien. Je préfère faire plaisir à l'une d'entre vous ou un d'entre vous. Pourquoi pas, il y en a peut-être, il y a peut-être un homme qui tricote hein, parmi nous, on ne sait jamais. J'en ai déjà vu et j'en ai déjà vu un, je ne sais plus son nom. Mais alors, il faisait des choses. Oh, même moi, je les aurais pas faites. Oh. Je ne sais plus son nom. Donc, voilà, voilà, voilà. Donc, cette petite unboxing tricot. J'espère que ça vous a plu. Ça change un peu. Donc, je vais vous mettre des photos en même temps. Hein, et puis, je vous montrerai de temps en temps l'avancée de mon tricot. Si ça vous fait plaisir. Ça vous fait pas plaisir, ben dites-le moi. ils l'ont peut-être mis sur le site internet parce qu'avant j'avais une carte de fidélité de chez Filidard, mais qui date de 10 ans au moins. J'ai retrouvé justement dans mes dans un vieux sac à main. En plus, elle était à mon nom de jeune fille. Pourquoi, j'en sais rien. Parce que ça fait plus longtemps que ça que j'ai ce nom-là. Hein. Et du coup, là, j'ai refait la demande pour avoir une nouvelle carte. Bon, moi qui l'envoie peut-être par courrier, je ne sais pas. Ou alors, elle est sur le site internet. Je verrai bien. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous et n'oubliez pas de marquer je tricote si vous voulez avoir le catalogue et je ferai un tirage au sort d'ici allez, une semaine. Voilà. Bisous bisous. À bientôt.